très content d'avoir pu enfin rejoindre en première division, on va dire, depuis le temps que j'attendais ça, depuis le début de saison. C'est sûr que ça n'a pas été un début de saison évident pour moi. Je crois que j'ai fait tous les matchs en tant que remplaçant où je n'ai pas eu l'occasion de rentrer. Même si à plusieurs reprises, je me suis échauffé pour peut-être rentrer, je n'étais pas encore rentré. Donc voilà, je suis enfin content d'avoir pu jouer, en plus d'avoir été titulaire. Donc maintenant, j'espère que ça amènera d'autres matchs derrière et ça pourra enfin lancer ma saison. Et ben, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, on va dire. Bon, après, on a un coach qui discute quand même pas mal avec nous, donc il nous explique forcément un peu les raisons, ce qui se passe. Et voilà, après, c'est les choix qu'il fait. Nous, on est forcé de les accepter, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est comme ça, c'est le football. On sait qu'il y a des hauts et des bas. Là, c'était un début de saison pas évident. Le moral, on le garde avec... En continuant à travailler, en espérant que les bons entraînements nous amèneront à pouvoir jouer. Et voilà, maintenant, on sait qu'une saison est longue, donc on sait que tôt ou tard, je pense qu'on a notre chance. Et c'est ce qui a fait que dans ma tête, moi, de toute façon, je n'ai pas lâché, je ne lâcherai pas et je m'accrocherai toute la saison tant que je serai là. Et puis, pour essayer de jouer un maximum de matchs et saisir ma chance dès qu'elle se présentera. Cet état d'esprit qu'on a eu, je pense que c'est d'une part l'état d'esprit que le coach nous a demandé d'avoir et qu'on n'avait pas eu contre Courtrai. Et d'autre part, je pense que c'est aussi ce qui fait que des joueurs comme, je vais citer des noms, Kenneth ou Khalifa et moi, avant eu depuis le début de saison, on a toujours travaillé pour espérer pouvoir jouer et notre chance s'est présentée. Donc forcément, cet état d'esprit, on l'avait. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, à toute l'équipe de faire un résultat, d'aller chercher un match nul là-bas. C'est cet état d'esprit qu'on a eu. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder, je pense, tout au long de la saison parce qu'on en aura besoin. On sait qu'on a un groupe, qu'on a des qualités. Et lorsqu'on a du mal à s'exprimer sur le terrain, l'état d'esprit nous permet de faire quelque chose au travers d'un match. Et ça s'est vu ce week-end contre Gand.